Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 5 janvier 2021. Je suis en train de monter ma prochaine vidéo en réponse à mes amis Luc, Fosta, Cédar Bilal, etc. Et en visionnant encore une fois la vidéo avant de l'exporter pour voir s'il n'y a pas d'erreur, un déclic s'est fait dans ma tête. De mon point de vue, il y a toujours une division ou une distinction à faire entre droite et gauche. Je sais que pour beaucoup de gens, ça ne veut plus rien dire. Mais de mon point de vue, ça veut toujours dire quelque chose. Et si je vais au fond des choses et que j'essaie de mettre de côté tous les artifices, ou pas forcément les artifices, mais toutes les nuances, etc. qui viennent s'ajouter, au fond des choses, je pense que la gauche a une vision éthique du monde, des choses, à des valeurs comme ça, humanistes, de partage, de solidarité, de coopération, etc. Ce qui n'est pas le cas de la droite. En contrepartie, la droite a une vision exacerbée de la liberté. Pour la droite, si vraiment j'enlève tout et que je vais au fond des choses, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, la droite, c'est la liberté d'abord et avant tout, j'ai envie de dire. Alors que la gauche, c'est l'éthique, d'abord et avant tout, peut-être. Et donc, comme pour la gauche, l'éthique, c'est-à-dire le bien faire, la justice, etc., est de la plus haute importance, elle, la gauche, a tendance à vouloir contrôler les comportements au travers des lois, d'accord, au travers de la politique, c'est-à-dire de l'organisation de la société, pour éviter les dérives. On parle bien de régulation à gauche, d'accord. Tandis qu'à droite, on parle de dérégulation, enlever toutes les barrières, toutes les entraves à la liberté, etc. Alors qu'à gauche, donc, si on met toutes ces barrières, c'est parce que la vision, c'est que ce qui est de plus important, c'est de respecter la justice, l'éthique, le bien agir, d'accord, le bien faire. Mais du coup, donc, on rentre en opposition avec la droite, parce qu'elle, elle a peur que la gauche arrive au pouvoir, parce qu'elle sait que voilà, ça va être barrière à ce qui est plus important pour elle, c'est-à-dire la liberté, d'accord, des barrières, une canalisation de ce qui est possible de faire et de ce qui est interdit. Donc voilà, il y a ce conflit gauche-droite entre gauche éthique, d'abord et avant tout, ce qui nécessite donc dans une humanité immature de mettre des barrières, de réguler, et puis à droite, la valeur la plus importante étant la liberté. Donc les deux rentrent en conflit. Et c'est ici que, à mon avis, la gauche fait une erreur. Quand la gauche pense que pour faire advenir le bien, il faut réguler par la loi, c'est-à-dire en fait mettre des barrières, des interdictions ou des obligations, elle se fourvoie. Et elle se fourvoie pour deux raisons, à mon avis. Une raison spirituelle, parce que malheureusement, à gauche, il y a aussi ce hiatus entre raison, si l'on veut, les lumières, la science, et spiritualité, ou en tout cas religion, d'accord, ce combat entre les deux, parce que la droite, historiquement, était plutôt du côté de l'Église et du statu quo, du conservatisme, de l'Ancien Régime, etc. Alors que la gauche, c'est les Lumières, c'est voilà, tout ça. Mais voilà, une première erreur, donc, c'est de rejeter la spiritualité, confondant spiritualité et religion, ou dérive religieuse. Alors que si la gauche avait une éducation, une connaissance de la spiritualité, au travers de la science d'ailleurs, c'est la science qui doit amener sur le chemin d'une véritable spiritualité, elle finirait par savoir que les humains sont en fait des consciences, dans le terme religieux c'est âme, donc certains peuvent dire âme, moi je préfère dire conscience, sont des consciences qui ont la même origine. Dans le cadre religieux, la même origine c'est Dieu. Dans le cadre spirituel, sans mettre des étiquettes ou des courants religieux, mais quelque chose de beaucoup plus global, moi j'appelle ça la conscience avec un C majuscule. Donc l'humanité, ainsi que tout le reste, les animaux, etc., mais pour l'instant on ne va pas compliquer les choses, concentrons-nous. Donc l'humanité, en fait, ce sont des consciences qui sont incarnées dans des corps physiques et qui ont la même origine, la conscience avec un C majuscule. Alors, par contre, rapidement, il n'y a pas de distinction en réalité entre conscience avec un grand C, l'origine, la source, etc., ce que les religieux appellent Dieu,
et les consciences, avec un petit C si on veut, en tout cas les humains, les consciences incarnées. En fait, c'est un continuum, tout ceci, il n'y a pas de séparation, c'est toujours lié. Mais bon, bref, ça c'est juste pour l'instant anecdotique. Donc, la première erreur de la gauche, c'est d'ignorer donc notre véritable nature de conscience. Et cette véritable nature de conscience, en fait, elle est profondément liée à la liberté. Parce que nous sommes avant tout des esprits qui sommes profondément attachés à la liberté. En fait, la liberté est une composante de notre nature. Voilà. Donc, conscience et liberté sont consubstantielles, c'est la même chose. Toutes les consciences sont libres. La conscience avec un grand C, c'est la liberté, etc. Donc, la liberté est profondément ancrée dans notre nature. Donc, le fait d'ignorer la spiritualité, on ignore donc notre véritable nature de conscience libre. Et donc, même si la gauche a conscience que la liberté est une valeur fondamentale, et d'ailleurs, la gauche parle de véritable liberté dans l'éducation populaire, développer l'esprit critique et tout ça, ceci je ne l'ignore pas, mais malheureusement, dans les faits, dans la pratique de l'organisation de la société, on passe plutôt par des lois qui vont interdire certaines choses, obliger d'autres choses pour un objectif d'éthique, d'accord, pour un objectif éthique. Et donc la deuxième erreur, c'est ça, c'est de ne pas comprendre ou de sous-estimer que ce n'est pas par la loi, par l'interdiction, par l'imposition de lois, de règles, qu'on va atteindre l'objectif éthique, mais c'est par l'éducation, d'accord ? Bien sûr, il faut quand même des lois, mais ces lois, elles doivent être faites avec, et je dirais même par, tous les Français, en réalité. Pourquoi ? Parce que la démocratie, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais en fait, c'est un processus d'apprentissage, par la pratique, par le faire, d'accord ? Donc, c'est très pragmatique, c'est très concret. Et dans l'éducation, dans l'apprentissage, il y a nécessairement des erreurs qui sont faites, d'accord ? Aucun parcours, enfin très rares sont les parcours où c'est que des bonnes notes et des réussites de A jusqu'à Z. On fait des erreurs, etc. et ça fait partie de l'apprentissage. Donc de la même façon, quand une partie de la gauche, pour l'instant je me cantonne à la gauche ici, a peur de donner au peuple, de donner véritablement au peuple le pouvoir d'agir politiquement, d'accord, d'autodétermination, d'écriture des lois, etc. Elle le fait parce qu'elle sait que la population actuelle est encore immature. Et la gauche aussi, ceux qui pensent ça sont aussi immatures, je suis aussi immature, on est tous aussi immatures à différents degrés. Mais voilà, l'humanité est encore immature. Ceux qui veulent faire le bien pensent que c'est par la loi, interdiction, obligation, qu'on arrive au but éthique, d'accord ? Alors qu'en fait, c'est par l'éducation et donc par le laisser expérimenter. Laisser expérimenter, c'est-à-dire permettre à la population de faire des lois, de proposer des lois, de les faire, d'organiser elle-même la société, donc de faire elle-même de la politique. Quitte à faire des erreurs telles que, c'est toujours le même exemple qu'on nous ressort, et, si on donne le pouvoir au peuple, il va réinstaurer la peine de mort. Je considère que c'est une erreur, mais quitte à ce que ce soit le cas, on apprendra de cette erreur, je le pense. Imaginons qu'il y ait une majorité de Français qui veulent réinstaurer la peine de mort. Je pense qu'il y aura d'ici quelques temps, je ne sais pas si ça se compte en décennies ou quoi, un retour en arrière parce qu'on s'apercevra que ce n'est pas une solution, d'accord ? Mais par la pratique, on aura compris. Alors que si on interdit en disant « vous êtes trop bête, si on vous donne le pouvoir, vous allez en faire n'importe quoi », eh bien, ce n'est pas comprendre que la liberté est fondamentale, est un trait fondamental des consciences que nous sommes. Donc c'est pas très très clair ce que je raconte, mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à un but éthique, qui est le but de la gauche de mon point de vue, c'est-à-dire la justice, le partage, la solidarité, etc., il faut inclure dans le processus cet aspect fondamental de nos consciences qu'est la liberté, d'accord ? Et la liberté, c'est aussi la liberté de faire des erreurs le cas échéant. D'ailleurs, tout le monde fait des erreurs, même la gauche fait des erreurs, etc., d'accord ? Et de ces erreurs, on apprend. Et c'est parce qu'on fait ces erreurs qu'on apprend de ces erreurs et qu'on les dépasse. C'est un peu comme quand on interdit à un enfant de faire quelque chose de dangereux. C'est naturel, il a envie de transgresser cet interdit pour voir, pour faire sa propre expérience. Et une fois qu'il aura fait son expérience, il s'apercevra qu'effectivement c'était dangereux. Et donc il ne fera plus cette expérience parce qu'il aura appris par lui-même que c'est dangereux, effectivement. Donc de la même façon, il faut que la gauche comprenne, et c'est ça son erreur, en partie, pas toute la gauche, etc., mais en tout cas ceux qui font cette erreur,
de ne pas comprendre que c'est en donnant, il faut accompagner évidemment, accompagner par l'éducation à développer l'esprit critique, c'est-à-dire la véritable liberté intellectuelle, d'accord ? Mais c'est par l'éducation et l'accompagnement à la pratique de la politique. Accompagnement, ça veut pas, c'est pas une forme déguisée de mettre des règles et de dire en étiquette on vous donne le pouvoir, mais en vérité c'est nous qui tirons les ficelles derrière. Non, il faut véritablement que le pouvoir, la majorité, prenne les décisions, quitte à ce que ce soit certaines décisions qui aillent contre ce que pense la gauche, donc qui soient des décisions non éthiques, mais c'est nécessaire comme processus d'apprentissage et comme processus d'atteinte de l'éthique, du but de la gauche qui est l'éthique. Et donc là, par contre, on dépassera la crainte de la droite qui est de voir sa liberté contrecarrée, limitée, etc. Après, bien sûr, ça c'est un schéma général, et en réalité, dans la droite, il y a des gens qui prétendent la liberté comme étant leur valeur suprême, alors qu'en fait, ils cachent derrière ce joli mot de liberté qui est désirable, leur égoïsme. Ça c'est une autre histoire, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Mais voilà. En tout cas, pour une droite sincère qui a pour valeur suprême la liberté, une gauche qui comprendrait que la liberté s'exerce par la pratique véritable du pouvoir, quitte à faire des erreurs, serait, je pense, une façon de relier, de créer un pont entre les deux. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que autant la droite que la gauche détiennent une partie de la vérité, et que, comme souvent, c'est un enseignement du bouddhisme, mais la vérité est au milieu. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris mes propos assez confus, mais comme souvent, quand j'ai une idée qui vient, si je ne fais pas la vidéo tout de suite, et la plupart du temps, je n'ai pas le temps de la faire, je finis par la mettre de côté, etc. Alors que ça me semblait ici important de vous passer ce message. Si vous avez des commentaires respectueux, exprimez-vous. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France !